Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info premier numéro. Joyeux Noël à tout le monde, à ceux à qui on a souhaité, même à ceux qu'on a oubliés. Nous vous souhaitons un vrai, mais surtout un joyeux Noël. Aujourd'hui, l'actualité est là, toujours tournée autour, il y a Covid-19. Bandeko, je dois vous le dire, cette saloperie, excusez-moi le terme, cette maladie existe. Elle tue, mais elle tue vraiment. Face à cette pandémie, aucun pays n'est doté des forces surnaturelles. Aucun. Tous les pays croupissent devant cette saloperie. Quand on essaie de trouver un vaccin, on nous dit qu'il y a une autre variante, et aussi en Espagne. On nous dit qu'il y a une autre variante, et aussi par-ci, par-là. Les scientifiques sont à la limite débordés. Quel est le vaccin qui va être approprié pour un virus en question, sans subir la mutation? C'est des grandes questions. Ça veut dire que tous les pays prennent des mesures qui dérangent, qui énervent, mais devant la sécurité nationale, on est obligé de prendre des mesures, même lorsqu'elles font mal. Et à un moment donné, même quand elles sont irréfléchies, si ça peut résoudre la question, il faut le faire. Mesdames et messieurs, au-delà de ça, reconnaissons aussi que nous vivons un contexte particulier. C'est celui de l'insécurité, celui de la menace, et vous entendez de partout, le Congo est menacé par un groupe d'individus qui ne veulent pas accepter que les choses ont changé. Et ces gens-là ont multiplié des stratégies pour faire finalement un désordre, pour créer l'insécurité. Et devant des informations aussi importantes comme celle-là, il fallait que l'État ait des mesures pour nous protéger la population, la maladie, wana, mais aussi contre les ennemis, au bazar dissimulé entre les la population. C'est pourquoi les mesures, il y a 21 heures, les Congolais dans la bande pour nous. Parce qu'après les études, ils se sont rendus compte qu'à partir de 21 heures, il y a beaucoup plus de dégâts, il y a beaucoup plus d'entreprises qui tournent, mais entreprises Yamabe. Les kidnappings, le vol, le pillage, la destruction, le sabotage, et les autres régnaient dans les Rwanda. Il fallait donc prendre des mesures appropriées pour nous arrêter à nous. Moi, je n'ai pas été pour la méthode et la procédure, mais avec un peu de recul, vous allez vous rendre compte que, bon, allons-y d'abord, si c'est pour protéger les gens, faisons-le. On peut ne pas avoir raison, on peut ne pas avoir tort, mais si nous regardons tous la même chose, alors acceptons parfois la proportion des autres. Les parents, c'est vrai, pendant les fêtes, on avait besoin de vivre, on avait besoin de nous amuser,
2020 n'a pas été une très belle année, je veux dire en termes de santé, en termes de mouvement, en termes de déplacement. Seul Dieu sait combien l'humanité a perdu pendant cette période, que de milliards et de milliards. Mais en réalité, ça nous empêche de jouer, de danser, de faire comme tout le monde. On n'est pas en mesure de le faire. Vous le savez que le 24, le 25, le 31, le 1er, sont des jours où les Congolais sont lingaka pour nous séparer. Ba bima, ba mela, ba la libanda, ba festoyer, ba mosusu ba kende ba veiller les prières. Mais voici l'État a décidé que Bilo connaissait les matins. 21h et 20h au l'État Kangi. Pour na batunion so bazonga na banda kuna bango. Contrairement à Brazzaville, où on a des mesures beaucoup plus sévères. Contrairement à pays mosusu où c'est très sévère. On demande même aux gens de ne pas sortir carrément, de rester na banda kuna bango. Les espaces publics fermés. Les boîtes, les bars, les terrasses fermées à l'extérieur. Mais chez nous, on nous a laissé cette opportunité-là. On peut sortir la journée. Beaucoup de tambo, beaucoup de CP, beaucoup de mail, beaucoup de boîtes, beaucoup de bars, beaucoup de prières. Mais dans la fourchette, il y a tongo, petit 21h. C'est pour protéger la population. Bande Konangai, Tommy Baté, là, et ça très important. Là, ta masque, vous allez à 2 mètres à distance. Les personnes que nous aimons, nous devons les protéger. Et la seule manière de les protéger, c'est de les tenir à l'écart. Tous sont à la distance pour notre mieux protéger. C'est très important. À tous dans la boîte de nuit, à tous côté de la terrasse, s'il te plaît, dans la masque. Dans la masque parce que place malade des écoles, mais l'eau batté. Je préfère encore tout sacrifier, bah, 2 jours et à fête, voilà, que tout ce que nous sacrifier à Némobima. Parce que si on a une maladie, l'eau, rassure-toi qu'au même moment, on a 2021. Et tu risques de mal commencer 2021 alors que tu avais toutes les précautions. Et on s'est protégé. La santé n'a pas de prix. Et la prévention n'a pas non plus de prix. Prenons des précautions. Prévenons cette maladie-là. 2 mètres de distance. Là, ta masque, là. Ce qu'on a régulièrement, ma boucle, là. Désinfecter, ma boucle, on a ma téléphone, là. Ma milieu public, zala couvert. Mi batte, là. Ce qu'on a dit, la première des choses, c'est que moi, on a été, c'est que moi, cité. Ce qu'on a, ma boucle, désinfecter, le mot la bilamba, tiens, on place mon corps, sur le libota, là. Au lieu de battre la libota, mi batte, là, nan. C'est très important. Je sais que ça fait mal. On aurait bien voulu danser. On aurait bien voulu jouer. Même moi, j'aurais bien voulu. Après avoir fait une année de travail, nous produisons plus de 1000 numéros par an de Critique Info. 1000 numéros par an. Vous savez, c'est extrêmement difficile. C'est, à un moment donné, épuisant. On a aussi besoin de prendre un peu de temps. Mais je ne veux pas prendre de maladie en prenant le temps. Le plus important, c'est de me préserver et de protéger le mien. Voilà un peu le message que j'allais dire pour la bande de Konabiso en ce qui concerne la COVID. Tout vendre la bande à coup, tout m'y battre là. Et ça, très important. Si vous avez l'impression que vous avez bimalibanda, bima, mais vous avez la masque. Bana Miké, tout faire comprendre au bango que 2021 est à la beauté. Certainement, Noël 2021, les scientifiques du monde vont retrouver déjà la solution. Et cette histoire va être une ancienne histoire. Mesdames et messieurs, Noël, au Congo, les gens souffrent. Moi, je suis étonné de lire les messages d'Yabato. Très étonné de lire les messages d'Yabato. En train d'insulter l'initiative de la Première Dame. À moi-même, on m'a reproché. On m'a dit, Christian, autrefois, tu disais que la Première Dame ne pouvait pas le faire. Mais pourquoi tu le fais? Bon, remettons les choses à la place. Nous avons besoin de notre jugeote pour réfléchir. Faudrait pas, mes frères. S'éloignera d'un cerveau, Nabisso. Très souvent, les gens laissent leur cerveau immigrer. Et qui est Narapena et Longwe, et Longwe, et qui est place pour réfléchir, Nabisso, après, ils ont assis. Non, prenons le temps de réfléchir, de ne pas nous séparer de nos cerveaux à un moment donné. Le pays est dans une situation pratiquement chaotique. La pauvreté fait la loi dans ce pays, vous n'avez aucune idée. Ce n'est pas à moi de vous dire comment nos frères. Il y a un mot qu'on vend dans Poto, au qui bien, oui. On vend dans la province, au qui bien, oui. On vend dans la Mandaka, bien, au qui bien, oui. Mais bêta tout naba hôpitaux. Bêta tout naba hôpitaux au Komona, ba jeune Congolais, ba zoteka, makila na bango pour appeler ça bango 4000 francs, appeler ça bango 8000 francs. Ba changer ba identité 4-5 fois pour qu'il va bien d'être assez sachet ou sachet à d'attendre à moins 5000, moins 6000 francs. Posons en disant d'attendre à moins 10 dollars. Posons en sachet à ma kila ba doté quand on a 4000 francs.
C'est-à-dire, là, on a dit que 4 000 francs, il y a 2, 3 sachets. Le gars peut faire une crise là-bas. Mais parce qu'il a besoin d'un 20 000 francs pour que le Sabah. Dans ce pays, les gens sont en train de souffrir, mes frères. Est-ce que vous avez vu les gens là-bas pour là-bas comme militaires? Est-ce que vous avez vu les gens là-bas comme militaires? Est-ce que vivre. Baba vétéran, on va abandonner, va blesser des guerres au Batika Bango, Bassi n'a pas veuve un militaire, qui prend soin d'eux? Moutouté, nous avons eu un État qui n'a pas travaillé dans l'idée de construire Batouana. L'administration qui vient d'entrer, ça veut dire le président de la République, le gouvernement naïe, au Batoukota Sikoyo, Bazaba responsable à Kao ya Kongote. C'est une mauvaise lecture. Baza plutôt va hériter à un système, il y a un système Yamabe, délétère, et Beba. Mais est-ce que c'est une raison pour la Bango Basala Moussalate? Non. Est-ce que nous n'avons pas vu fort haut l'actuelle gouvernance et Sali? Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent raconter. Très souvent, c'est les gens qui ne vivent pas ici qui parlent. Très souvent. Et ceux qui battent au Baza, ah, on est basé au Borgoumon, qui est battu au Batika, là, jamais continue à battre dans l'école publique. Ils ont battu au Batika, dans l'école privée. Ils connaissent rien des réalités de ce qui se passe dans l'école privée. Important, c'est l'école gratuite dans Mbokao. Mais quand on vient, on dit, on va donner l'école publique, Nabatonios. Aujourd'hui, l'année 2019 a enregistré 4 millions d'enfants. Plus de 4 millions d'enfants qui n'ont jamais étudié. Bazonga et classe. 4 millions. Est-ce que vous imaginez ça? C'est petit. C'est petit, vraiment. 4 millions d'enfants. Dans la Obadaki, à l'époque, on avait plus de 7 millions d'enfants dans la rue. Mais maintenant, là, nous avons 4 millions d'enfants dans les institutions scolaires. Ma côté, ma classe, gratuitement, ma parent, ma petite, à ta et l'autre côté. Vous n'imaginez pas le soulagement. N'eût été cette histoire de Covid, je crois qu'on allait même avoir 6 millions d'enfants. 7 millions, 8 millions d'enfants, pourquoi pas? Parce que le but était celui-là. Mais vous n'avez pas de moyens conséquents. Ça ne marche pas. Aujourd'hui que... Parce que moi, je dois dire aux Congolais, moi, je m'oppose. La République, il y a pas au monde. Oui. La République, il y a pas au monde, il y a pas dans la ligne à côté. Mais je suis en train de vous parler ici d'une chose. Nazar n'a causé la déranger, n'a causé la frustrer, n'a causé la mal à l'aise. Ce qui président de la République n'a bengi bato, avant que Kabila ka bato biloka ko dia, je serai mal à l'aise. Ce qui chef de l'État continue à alimenter nani na comment on appelle ça, na hôpital moko boy, abimisi basi nyoso, o bata na balade na bata na ba problème na ya kufuta, na causé un peu déranger. Parce que dans le chef de l'État, monsieur le président, vaut mieux qu'on puisse faire un peu de ça. Vaut mieux qu'on puisse un système médical que qu'on puisse faire un peu. Parce que le ministre Bato, quand on donne à des gens, on n'aide pas les gens. Mais quand on aide des structures, eh bien, on aide les gens. La véritable façon d'aider Bato est de la construire un édifice, de construire une structure pour permettre que Bango va s'en sortir. Mais donner l'argent aux gens, c'est de donner du poisson et pas apprendre à pêcher. Ça, je suis d'avis, Nabato Balobarabongo. Et puis, Nada P, un véritable acteur, est question. Mais ne mélangeons pas les choses, mes frères. La femme du président de la République, dans les contextes, j'insiste, dans les contextes actuels, je ne vois pas pourquoi à couper ça va tout de côté. Ceux qui m'a fait là qui 10 ans à pouvoir, ah oui, là, je peux dire non, quand même, première dame, vous ne pouvez pas commencer à donner aux gens à manger, quand même, ça fait 10 ans que vous êtes là. Faites des structures qui vont permettre à Batoua Zomissala. Investissez dans le cerveau, ça permettra aux gens de trouver le moyen. Financer l'autonomie des femmes et des hommes à travers la formation d'Abino et qui peut évoluer. Mais quand il s'agit des fêtes, je ne vois pas pourquoi la première dame ne donnerait pas à manger aux gens. Je ne vois pas. Parce que c'est un moment de partage. Même par grandes entreprises, même par grandes sociétés, bah ça a quelques gestes d'amour, de partage, de générosité. N'a pas pour tout le monde ma structure, monsieur, parce que relève le gofélé, vous pensez que c'est qui? Mais il y a des donateurs. C'est des donateurs qui donnent aux structures maintenant. Donateur, mon enfant dans l'Italie, il a beaucoup d'argent. Donateur, mon enfant dans l'Ukraine, il a un vous êtes aux États-Unis, il a un structure, il a une fondation. Et ces fondations-là donnent à boire et à manger aux gens. Donnent même parfois des logements aux gens. Alors, de quoi on parle?
Quand quelqu'un a vécu en Europe ou il a vécu dans habité place nini avec les motos longa dans la poto Christian kanga monoko yo ko comment une poto te mangamlinga za raté ndeko le poto c'est pas le paradis, ce n'est pas le lieu du savoir absolu. Quand on est bête en Afrique, on peut être bête en Europe, il y a pas de différence. La bêtise, c'est les bêtises. Tu peux mal réfléchir même si tu es en Europe, et moi ça ne me complexe pas du tout, non du tout. Tolembi et moi, on voit tout moment. On commence pour toter, on vit pour toter, on commence pour toter, on vit pour toter. Ndeko, finalement, pour toi, ils allaient nini. Pour toi, en gros, ils allaient nini. Parce qu'à un moment donné, je suis fatigué. Je n'en parle pas souvent parce que t'as la raté, mais à un moment donné, il déborde à vraiment. À un moment donné, tu vois, dit, bon, ça déborde. Être né en Europe, avoir grandi en Europe, avoir travaillé en Europe, ça fait quoi? Je serais fier sur le bétailing ma solaire Congo, Mbokananga. N'a complexité à t'avouer. Bien au moment dans la photo, il y a un moment donné, j'ai comme l'impression que bah, parce que pas tout le monde, je connais des gens, des femmes et des hommes réfléchis en Europe, à un coup de bélé. Et l'avantage, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup, plus des hommes sérieux, il y a beaucoup plus des hommes intelligents que de bougres. Il y a beaucoup de bougres, il y a peu de bougres dans Mbokana. C'est généralement des gens qui ne sont pas intégrés, qui n'ont qu'insultes dans leur bouche, qui ne réfléchissent pas, qui réfléchissent en retard, en fait, c'est normal. Mais en réalité, moi je comprends, Nina Batumsusu. Ce qui va décider, ne baso pesa bato biloko nga eko jenenga. Mais ce qui est bato normal, hein, on va dire des hommes et des femmes ordinaires, ça ne me gêne pas. Nga moko pe na sala kango. Vous avez suivi mes vidéos, je suis allé partout à travers le Congo pour donner. Mbon moto zo kango. Et dans la note lobby na TV, no boso nga biso to pesa bato bon hôtel, vous donnez votre argent, je vais avec. Je suis le canal par lequel vous aidez les gens. Ce n'est pas l'argent de ma poche. Non, il y a mon poche. Il y a un service qui est là. 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 Et j'ai télévisé, enfin disons, j'ai filmé à Kango, j'ai diffusé à Kango. Non pas pour faire publicité à Bato, souffrir, mais pour montrer la transparence à Bato. Il y a un service qui est là. Il y a la place qui est sale. Biloko tindaki tala musala nango. Nous sommes dans un pays photo mito aider bato bato azu souffrir quand même. Lorsque les gens voient le sérieux dans ce que vous faites, ils vous aident facilement. Il y a combien de fondations dans ce pays qui ne sont pas aidées parce qu'il n'y a pas de sérieux. Mais avec la fondation Denise Nyakoro olo oli et la ga qui est en mabé. Mais ce que ça mouté maya bien, tu dois te rendre compte que c'est la première fois depuis que Congo est banda que la fondation de la femme d'un président est à la audité par des services externes. Et Mbalayaliboso. Services externes et audité. Bambongo et audité. Manière à dépense et audité. Biloko tout. Et il va se rendre compte qu'effectivement, aucun franc, aucun rang. Il y a Bambongo va tindak. Il y a Bambongo va suivre Nakanayango et qui n'a pas poche. À un moment donné, il faut quand même savoir apprécier les choses. Il ne faut pas que son talobi m'a bien moutou, adadjalelo. Sur le bimabé à bateau, aza et une terre. On peut réfléchir aussi et dire que ici c'était bien. La première dame a donné na ba congolais, ba comédien, tout ça, ba te belé, ba vétéran, ba blessé des guerres, ba veuve, ba orphelin. Et partout à travers le pays, ba tout nyon son à Congo, ba zubilo kouana. Et ne vous en faites pas parce que après, il y a un audit qui est fait et elle rendra toujours public le résultat. La première fois, ça a été contre Dizakite. Personne n'est venu voir les chiffres et dire que oh, il y a le. Non, Moutouté. Tout le monde était d'accord parce que c'était transparent. Le sérieux de cette fondation est permettre que Batoubaya coïde davantage. Et il y a des organisations internationales, ou des affiliés des Nations Unies, ou des partenaires. Alors, je ne vois pas pourquoi ça va gêner les gens. Oh non, Christian, salaire Nabino, et toi, foutre Nabino, salaire. Non, mais qui vous parle du salaire ici? Ici, il n'y a pas de question de salaire. Il y a question que la première dame a estimé qu'il fallait donner à Kabila Bato. Ça fallait être babo, il y a pas le bâté, donc il était. Nous, qui avons mis ça là? En entendant qui allait servir ça, qui allait aider la famille Nabango. Ce qui se passe maintenant avec la première dame au Congo, ça se passe au Rwanda. Avec la première dame du Rwanda. Ça se passe en Côte d'Ivoire, avec la première dame de la Côte d'Ivoire. Ça se passe au Ghana. C'est une réalité africaine. C'est une réalité africaine. En Europe, aux États-Unis, ils le font, mais autrement, différemment. Mais il y a toujours ce moment de partage. À un moment donné, je me pose la question de qui bateau.
Bazo confondre Makamba. J'entends les gens dire, Adam, moi, c'est président, Babo Ngsamboka. Donc, parce que Namutu Nabino, Namutu Yabato, Balubarielo, Kandengiwana, ils ont dit, moi, c'est à Poutine, Namutu Yabara Poutine, Bakonga, Kamamboka, Mboka, Russie, Wana. Donc, Namutu Nabango, ils ont dit, moi, c'est à Macron, Ndaïdara Macron, Bazo ma décision, Wana. Namutu Nabango, ils ont dit, moi, c'est à Michel Obama, Namutayo Kamba Obama, pour qu'ils aient ma décision, modèle, Wana. Donc, le Parlement n'a pas de problème, n'a pas de rôle, le gouvernement est en importance dans l'autre. On dit combien les gens ont une conception de la familiarisation du pouvoir. C'est les mêmes personnes. Ceux qui sont chefs de l'État sud de Sion, bon, je vais demander à ma femme, c'est les mêmes personnes qui vont dire Altala, Mboka Penzaboe, Alga Okamosinae, Alga Okamosinae. C'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Si le chef de l'État dit je ne coûterai pas ma femme, j'ai pris une décision. Ah, Okamosinae, Okamosinae. Congolais à un moment donné, et le roi l'ingraï, banaraté. Tant que vous souffrez, vous avez besoin de l'eau. Attends, il y a pamba, vous avez besoin de la bangote. Attends, il y a pamba, vous avez besoin de la bangote. Quand on amène la nourriture, vous avez besoin de la biloko. Vous avez besoin de la salade. Quand on a un olukakanini, on a un mot qui réfléchit dans le thème mabé. On a un réfléchir dans le thème likundu. Et ça, ce n'est pas bien. Remettons les choses dans la place. Le don n'est pas mauvais. Mais le don devient mauvais quand il vient des décideurs. Et lorsque ces décideurs-là, au lieu de travailler pour aider les gens, au lieu de travailler pour donner le moyen, pour rendre autonome bateau, on a pas ça là, le mal est là. Mais lorsque les autorités font un travail bien et qu'ils décident que d'ouvrir ma chambre pour aider bateau, ce que nous ne voulons pas, c'est que le don ait suppléé l'exercice du pouvoir. Mais nous ne refusons pas les dons. Mais ceux qui ont commis au Kaba, au lieu de Tonga, ils ont commis au Kabaka, ils ont commis Mabé. Mais vous n'allez pas interdire à une première dame de faire des dons. Encore que quand on vous dit que cet argent n'est pas de sa poche, c'est l'argent de la fondation, et cette fondation est financée par Bateau, toutes les grandes ONG, certaines ONG internationales, financent les activités de la fondation. Il y a un budget pour ça. Nous avons aujourd'hui au Congo un bureau conjoint. Nous allons faire comprendre le bateau. Le débat est un peu comme ça, mais il y a un peu avec hauteur. Il y a un débat dans le Ngété. Le débat est un peu comme ça, hauteur. Aujourd'hui, depuis que Félix Tshisekedi est président, il y a un bureau du conjoint. Le bureau du conjoint permet à la première dame de choisir l'activité où il y a un peu comme ça, dans les cadres de Mboka. Dans les États-Unis, la première dame, Michelle Obama, Azana Avaki, particulièrement, on va dire, une sorte de vrai mécène, il y a lutte contre l'obésité. C'était ça sa mission, à lutter contre l'obésité. Azala qui peut parmi les militants, on va dire qu'on militait pour la scolarité en Afrique. Et ça, ça se passe pratiquement dans tous les pays. Une dame des États-Unis, la femme de Delano Roosevelt, Eleanor, je crois, Roosevelt. Cette dame, grâce à sa fondation, est finançable à l'université, est finançable à la bibliothèque, est finançable à grande activité. Donc, moi, je ne vois pas le mal. Lorsqu'une première dame s'inscrit dans la logique de construire l'idéal congolais, je ne vois pas un problème. Mais lorsque nous sommes dans l'idée au Kabela Kabato Bilo Kakonia, au Kabela Kabato Mapa, au Kabela Kabato Mai, et de façon continue, Ndemabe Yangoana. Les gens ne disent jamais quand elle aide les enfants d'aller pour aller étudier au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Et bien, nous avons tant que nous avons frère, nos parents, nos bangotés. Nous avons tant que nous avons 70, voilà pourquoi nous avons tant que nous avons raté. Que tes enfants, nous avons 80%, nous avons tant que nous avons en charge, nous avons tant que nous avons. Et ça se passe dans toute transparence, sans tenir compte des appartenances tribales, Yabato. À un moment donné, il faut quand même apprécier les cas. Monsieur Mata Tampogno, je peux bien attaquer, je peux bien dire ce qu'il veut, ce que je veux bien. Monsieur, dans sa fondation, il va t'en appeler Liban Namboka. C'est une bonne chose, on ne peut pas refuser tout. Et je le crois bien. D'accord, l'université a été à Maniema. J'estime que cette université doit revenir à l'État. J'estime qu'il faut battre la véritable enquête et que ceux qui vont trouver que l'université a respecté la norme et qu'il y a moyen, il y a l'État. Il y a l'État. Mais ceux qui sont inclinés, on laisse. Mais entre-temps, il faut saluer certaines initiatives. Tout celui qui construit dans le cerveau, moi, je suis d'accord avec lui. Mais ceux qui construisent dans les ventres, donc, au Kabila, quand tu es là, je ne suis pas dedans. Bato ba kana matanga bato ba kufi. Kana matanga kolelisa bato. Oui, mais fait qu'ils ne sont pas présents quand les gens sont malades, quand les gens sont en train
de s'approcher à la mort. Bah, toi, on est d'accord, on a bangoté. J'estime qu'il ne faut pas investir dans le mort. J'estime qu'il faut investir dans la vie. Et pour investir dans la vie, il faut investir dans la qualité du travail. Il faut investir dans le cerveau. Il y a tellement de propositions à faire aujourd'hui pour que Bato a sa fondation. Au sujet des fondations, il faudrait parler. Il y a la fondation Ouidal du sénateur Guy Loando. C'est quand même une fondation qui fait des efforts. Il y a quoi vrai, pas dans le manger ou dans le boire. Ça construit des petites passerelles pour là-bas. Moi, territoire tel, c'est déjà quelque chose de bien. Ça donne de l'eau potable aux gens. C'est quand même bien. Ça construit des écoles, ça construit des stades, ça construit des assemblées provinciales. Moi, je ne vois pas pourquoi c'est un problème. C'est bien. Du moment où ça contribue, on va dire Congolais, hein, tu as encore partagé même point de vue. T'es. Mais toi, tu as la table où tu es, Rundi, ma quoi apprécié. Toi, apprécié, Yango. Moi, je suis d'accord. Nanatengi binou va œuvre Mata Tampogno. Bane belé, ma kenda poto, koutang na poto, grâce à Mata Tampogno. Et ça m'a bête, ça m'a l'amou. Et ça m'a l'amou. Ce que tout le monde a battu, nous sommes et belé, paix à bien. Eux construisent un cerveau et un bateau. Ce que nous voulons, c'est que battu le col à Madame Denise Nyakeo, ce qui est à Sali Bongo. Basse est ma premier ministre, le baramingi mingiwan. Bango va Sali Bongo. Toutes les femmes, ma zoba mbongo na mboka, ou Sali la même chose. Je ne parle pas des décideurs. Je parle de personnes, le roi Bissot. Babani, qu'on est vrai dans la logique, dans le secteur. Vous savez qui est bien? Prenons un cas. Je donne un exemple. Imaginons que la première dame, grâce à la fondation, nous avons construire une très grande école. Et d'achoua, on peut soit construire une école, soit financer les écoles qui existent déjà, comme à celle qui est dans le centre Marie-Antoinette. On peut dire, bon, moi, je vais construire un institut supérieur et à technologie. Tout un institut supérieur, il y a un truc professionnel. Il peut aussi dire, bon, ok, pourquoi construire une école alors qu'il n'y a pas ESA? Pardon, ISAM ESA. Donc moi, la première dame, je veux financer ISAM. Il y a ISAM. Vous avez la capacité d'accueil à combien d'enfants? ISAM a l'obité, vous avez la capacité, par exemple, à 5000 enfants. Ah bien, ok, 5000 enfants, il faut combien de machines pour avoir un atelier Nabino? Oh non, nos ateliers sont pauvres, on n'a que 27 machines. La fondation, Denise Nyakeo dit par exemple, ok, dans le cadre de la fondation, nous avons 400 machines. Et la fondation cherche, par-ci, par-là, 400 machines, bah, il y a combien d'ISAM? Oh non, dans le pays, dans le territoire congolais, nous avons, exemple, hein, on n'a que 20. Ah non, 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 mais 20, pourquoi 20? Trouvons des occasions et on sera mieux que ça. Est-ce qu'on a un bandaka besoin d'ISAM? Ote. Est-ce qu'on a Kisanga Nibana Isam? Exemple, Ote. Est-ce qu'on a province Tébano? Ok, bon, ce qu'on va faire, le quand on a 26 provinces, tu constates la 26 centres Isam, il y a ma longa, il y a ma casse. Et qu'on permettre que Bateau Bazan a arrière-province Baya. Et la fondation constate la plaidoyer. Alors, ok, nous voulons aider la structure Isam à s'installer partout à travers le pays. Pour nous permettre de faire des villages, des grandes agglomérations. Le coup, il y a des gens qui ont été la fondation qui est au le ministère qui est tutelle. Il y a des gens qui ont financement pour qu'il va construire un établissement. On va dire comment une fondation peut aider le pays. Si on a des gens qui la première dame, or, la première dame peut piloter ce projet avec d'autres fondations autour de la première dame. Il y a des gens. Toutes les fondations ont un programme qui. Donc, tu as école, tu as aidé l'État à ton école, il y a, pardon, institut professionnel, hein? Il y a technique professionnelle, très bien. Tu as combien en boucle? Tu as menuiserie, maçonnerie, tu as autant, très bien. Ce qu'on a à faire, c'est que tu as partout à travers le pays. Et que ça a coût combien? On a aussi, par exemple, 3 milliards, 7 milliards, 9 milliards, ou je sais pas moi, 5 milliards, un peu plus que le budget de l'État. La fondation Denise Nyakeo, la fondation Olive Lembe, la fondation Mata Tampogno, la fondation Christian Bossembe, fondation Ouidal, fondation telle, Nabonatangite, fondation Makambu, fondation Arochibola, fondation Wana. Sangani ensemble, ok, chacun de nous va aller puiser dans la ressource, tant que ça le montant tel. Et ce qui va coûter le montant, on a eu, ok, voilà, donc tu m'as dit construction Nayango. Mais tu le dis entreprise Nini, ça y a appel d'offres, il y a Malonga. Ma structure à ma longue à payer. Pour bandit.
Au moins qu'au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, vous avez déjà des instituts supérieurs. Et bien, on a compris que Tangawana, soit au Félé, soit n'a pris un mouquet. Est-ce que vous n'avez pas réglé le problème? Et l'équipe au Kababa Thompson, et l'équipe au Kababa Miliki, et l'équipe au Kababilo Koranios. Mais n'oublions pas que quand les gens ont fait une période de Banzalabo, c'est toujours important de donner aux gens des choses. Moi, je vais effectuer tout un voyage pour aller à Mbandaka pour ça. Rien que pour aller donner à nos frères. Donc, vous n'allez pas me dire dans lequel bon mis ça là. Donc, ça dit, il faut total à l'eau d'un côté et l'eau comme vous soupez à côté. Tant mélangeant à ma gamboté, l'un n'exclut pas l'autre. Construire sur des bases solides n'exclut pas de donner à manger aux gens. Mais rester cac à se spécialiser dans donner à manger aux gens, ça revient à jouer le jeu d'abrutir ce peuple-là. Mais par contre, vous donnez à manger aux gens et vous construisez les structures de l'autre côté, ça va. Voilà pourquoi moi, sans rire, je demande à la première dame, Bandeko, Bokomi, c'est la première dame, message Oyo. Madame Denise Nyakero, ba Congolais, bazama lamu ya koyoka bango, mais koyoka ka ba Congolais nyo sauté. Ba Congolais, il faut koyoka bango, mais koyoka ka ba Congolais nyo sauté, parce que Congolais a ibié loka lingarate. Congolais a ibié loka lingarate, asambe la kake nzambe, abete sambula, mais mou bimina parapluite, pour azo senga loka zon dimate. Congolais musala na yango wana. Congolais ko senga bo sungaye, et ceux qui bo sungi abengi bino bato lolendo. Congolais ko lobana bino bo sungaye te, mais ceux qui bo sungi ta bengi bino muti muta bato mite mabe. Congolais zala ka modèle wana. Ko landa bango nyoso te, puis ce n'est pas tous les Congolais, zala Congolais mabe, nde bazala ka bongo. Mais des vrais Congolais, il y en a encore. Ceux qui applaudissent quand c'est bien, ceux qui critiquent quand c'est mal. Moi je vous demande la première dame de persévérer dans cette idée-là. Donner à manger aux gens. Apprenez aux gens à travailler. Ce n'est pas incompatible. Donnez à manger aux gens, apprenez aussi aux gens à travailler. Comme vous le faites, investissez dans le cerveau, mais aussi, s'il y a possibilité d'aider les gens à manger, faites-le. Non, première dame, personne n'a le monopole de donner aux gens à manger. Donner aux gens à manger résulte du cœur, c'est du fond du cœur. Na pesion bi silelo na la kisio pe koloba na pesion bi silelo na la kisio pe ningi ko pêcher lobi na pesion bongo lelo na la kisio pe ningi ko zamusala et na te ko yoko lukanga di petit concentre-toi to lukanga musala te na dan siko na bezono ya nzala nanu na nzala siko pe sana nana lia après la kisanga musala c'est comme ça qu'on fait. On apprend aux gens à travailler, on apprend aux gens à trouver des voies de sortie pour ma problème na bango, mais s'il y a un petit rien à donner aux gens ma bezate. Donc n'hésitez pas de faire le bien, il faut le faire. Félicitations encore une fois à la première dame et je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait pour nos parents au Libanda na bobaki kotana libanda. Merci pour na mbongo pesa ki na bato nyoso balaki na mbongo ça mbongo te au laxi boni basaka mbongo. Merci aussi parce que vous avez rendu les femmes du Kasai, du Kivu, na ba quelques femmes de Kinshasa pour rendre bango ba autonome na ba atelier pour cela qui il y a renforcement des capacités, c'était une très bonne chose. Merci pour la paix, assistance médicale, de santé, il y a musicien. Et je ne manquerai pas de vous demander aussi de le faire pour les journalistes. Les journalistes, c'est aussi une profession qui n'a pas sa place en termes de gloire dans Mbongo Kanabiso. Les journalistes congolais, bazan dans Mbongo Té, bazo souffrir pour l'état où il y a qui avant Binoboya, à Boma Makambonios, la publicité à la soutenir dans la TV. Ma publicité a rassouté. Bateau baki ko sala biso ba publicité ba comment bango na ba chaîne de télévision. L'état ka la permet ki bango ba fongo ba TV na bango. Ba na ba TV na bango mo ba lexa ba pub pa na bango mo que biso to viva ka na ba pub. Parce que subvention à l'état na d'accord na mingi penza te. Na banga kato comment ko sa liéné. C'est un débat d'école. Il y en a qui pensent que l'état doit subvenir, je veux dire faire des donner des subventions dans ma média, mais moi je pense que dans l'état actuel, ceux qui ont demandé cause de subvention dans l'état, t'osa bloquer, t'osa la empêcher à le bébé. On va être muselé. Donc moi je préfère que l'état d'acha ba mécanisme pour que ba journaliste va s'en sortir. Ba contrat ils à la malamou, salaire ils à la descend. Ma pub est quota, ma obligé, ma partenaire, on a pas ça, ma pub, ma chaîne locale. Nous voulons vraiment et de la respecter. Ce qui est au Simba. Et que l'État soit le premier partenaire de ma média. C'est très important. Si on s'allie bongo, on trouve ça bien. Mais en entendant que tout comme on a niveau, on a première dame, ceux qui beaucoup ont soin, au salaire de la paix, ma journaliste, assurance santé. Et on a très bien.
bango pe bazala tan assurance santé to soki mo na beli mo sa beli ba me rater l'hôpital sachant que on peut payer ailleurs parce que actuellement soki journal ta eu AVC à Okufa pena parce que mbongo zati les chaînes de télé à Okongo ne vous en faites pas, il n'y a pas d'argent. Les gens souffrent dans ce pays. Donc si ça peut prendre être pris en charge comme ça a été avec le musicien, en entendant, je dis bien en entendant que l'État réorganise les choses, on est bien d'accord. Quand l'État va réorganiser les choses, on pourra enlever ça pour financer les autres secteurs qui ne seront pas pris en charge et nous allons bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément, la carte de Washington. Malobi, maman Marthe, né. Maman Marthe, né. Malobi, shop, Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Bilogo, il y a un Congolais. On dit que les Congolais, à ça, ils ont été. Bon, la Corée, la Yon, comme à bon de la Yon. Bon, la Toto, la Yon, comme à bon de la Yon. Bon, bon de la Yon. Malobi, bio. Bio Africa Union et tout ça pour la machine. Sinon, vous voyez pas, sinon, vous voyez rien. Vous voyez pas, 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 vous voyez Loye Bolonde Nelani Sangha.